Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir du coup de te retrouver pour une vidéo blabla sur le thème des yaoi. Mais avant de commencer, je tiens à prévenir que non, je ne vais pas te présenter de manga ni un haul. Ce n'est absolument pas ça. Et juste avant, pour ceux qui auraient cliqué, même s'ils ne sont pas intéressés pour les yaoi, je tenais tout simplement à vous remercier pour toutes les personnes qui commentent quand je vous demande un avis et qui me donnent justement un avis, voire les personnes aussi qui sont très compréhensives quand par exemple je parle justement de mon rythme de vidéo, du fait que je veux privilégier aussi un petit peu ma famille qui me fait encore très souvent le reproche du fait que je sois pas assez présent pour eux, que je sois trop connectée sur, par rapport à l'univers YouTube. Donc vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont justement limite un petit peu fâchée parce que je prenais pas assez soin de ma famille. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui sont compréhensibles par rapport à ça ou d'autres sujets. Donc du coup, en ce qui concerne le côté yaoi, en mois de février, je t'ai présenté 3 mangas de Mio Junta. Et dans une des vidéos, je te parlais tout simplement de 3 yaoi des éditions Taifu qui me faisaient envie, que je voulais acheter si c'était des sorties, et que je n'ai pas acheté au final, tout simplement parce que en fait, beaucoup les ont reçus en partenariat. Et comme je n'avais pas eu cette chance, je n'avais pas envie en fait de les présenter en même temps que les autres qui avaient eu cette chance-là, alors que moi, au final, je n'ai pas droit à ça. Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis posé la question, est-ce que j'étais pas nulle? Parce qu'au final, faut voir le travail de titan que je fais sur ma chaîne. Je présente 2 mangas par semaine et je n'ai pas droit à cette chance alors que certaines personnes ont droit à ce partenariat à quelques abonnés près et ne présentent jamais de yaoi. Donc c'est vrai, je dois l'avouer, ça m'a énormément vexée et je ne savais plus du tout quoi penser, comment penser, etc. Mais là aussi, beaucoup d'entre vous ont été là pour moi et m'ont soutenu. Et ça, je tiens vraiment à vous remercier parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de me sentir du coup aimée. Et surtout qu'on me dise que j'étais pas nulle et que bah, finalement j'aurais mérité cette place, etc. Je ne suis pas là pour faire un débat ou pour vraiment me plaindre. Mais comme je l'ai dit, je préfère être honnête avec vous et vous expliquer. Donc c'est pour ça que pendant le mois de février, je ne vous les ai pas présentés. Parce que je n'avais pas le cœur à faire ça et à faire... à présenter des mangas comme ça alors qu'il y avait tout ça à côté. Mais, donc du coup en ce qui concerne ces 3 fameux yaoi, je les ai quand même achetés, donc les voici. Et ce seront du coup les 3 premiers yaoi que je vais te présenter pendant le mois de mars. Par contre, là où je vais avoir justement besoin de toi, c'est de me dire dans quel ordre de préférence tu préfères voir au niveau des vidéos. Même si ça va se jouer du coup à un mardi, vendredi et le mardi suivant, je préfère quand même avoir ton avis, ou alors vendredi, mardi et vendredi suivant, bref, toujours est-il que ça va se jouer sur voilà, une semaine entière. Mais je préfère quand même avoir ton avis pour l'ordre de préférence, pour savoir tout simplement. Moi je les aurais logiquement déjà lus, et donc du coup j'aurais sûrement déjà filmé aussi les 3 présentations, mais je préfère savoir du coup dans quel ordre les poster tout simplement. L'une des 3 œuvres en question, la voici. Donc c'est l'auteur Kikana, qui est donc le mangaka de L'étranger de la plage, qui a une suite, je te mets le nom à côté. Donc forcément la qualité de dessin est juste sublime et donc du coup j'ai qu'une hâte, c'est de le lire bien entendu, vu que j'ai adoré L'étranger de la plage, ça peut être que pour moi. Donc voilà, après je sais que ça n'a aucun rapport, ce n'est pas une suite, ce n'est pas un bonus, mais forcément le même mangaka, ça peut être que bien. J'en suis persuadée. Par contre, en ce qui concerne le mangaka Kikana, parce qu'on me l'a déjà demandé, c'est un mangaka qui a que 3 œuvres de disponibles au Japon et donc 3 œuvres de disponibles en France. La troisième arrive. Ensuite, on va continuer avec Lynx, qui est de Natsuki Kizu. Voilà. Donc là, si j'ai bien suivi, on suit 4 histoires, mais où les personnages se connaissent, etc. Donc du coup c'est plutôt sympa. Ça reprend un peu le principe du coup de Mio Junta, donc je ne peux que aimer, bien qu'il y ait 4 chapitres. Là-dessus, voilà, c'est moins bien que 2 chapitres et pour Mio Junta, mais je pense que je vais du coup adorer ce manga et adorer du coup ce concept. Voilà. Et on va terminer avec cette œuvre là qui est du même mangaka que celle-ci que je t'ai déjà présentée sur la chaîne il y a quelques temps. Je crois que c'était sorti en septembre, j'avais dû le présenter en novembre ou un truc comme ça. Ou alors c'est sorti en juillet, j'ai présenté en... je sais plus, bref. Toujours est-il que c'est du même mangaka, je sais plus trop ce qui se passe dans cette œuvre là. Soit c'est une autre histoire, soit on se...
plonge sur le passé ou je sais pas quoi du méchant dans la première histoire, un truc comme ça. Bon, ou alors on a juste un chapitre sur lui, je sais plus trop comment ça se passe. Mais voilà, toujours est-il que de toute façon c'est du même mangaka, donc ça devrait me plaire et c'est pour ça que ça m'a intéressé. Par contre, honnêtement, s'il y a juste un chapitre sur le méchant dans l'autre œuvre, je vais y aller à vraiment à reculons parce que bah, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous comprenez un peu le pourquoi du comment. J'ai pas trop envie de lire et de savoir cette œuvre, ce passage-là, mais bon. Et voilà. Donc du coup, pour ce qui est du mois de mars, on va d'abord avoir du coup ces trois yaoi. Et après, je vais te présenter 4 Boys Love, 4 mangas qui vont sortir du coup pendant le mois de mars de Boys Love. Donc je vais te mettre les couvertures à côté de moi et je te mettrai bien entendu du coup les titres et les résumés en barre d'infos. Comme ça, tu n'auras plus qu'à choisir aussi l'ordre de préférence au niveau de la présentation. Et du coup, logiquement, pour terminer le mois de mars, il me manquera un yaoi. Et ça sera tout simplement un yaoi des éditions Taifu. Comme ça, on aura fait 4 yaoi Taifu et 4 yaoi Boys Love. Et on aura mis entre deux ce qui va sortir du coup en mars. Et du coup, ça sera le manga Après l'orage, qui est un manga du coup des éditions Taifu. Je te mets de toute façon toutes les informations à côté de moi. Et bah voilà, donc il me semble que en février, Taifu aura sorti aussi deux autres séries que je n'ai pas achetées là. Et il faut que je vois, il faut que je re-regarde du coup si c'était des séries qui m'intéressaient ou pas. Et je te mettrai des informations à côté de moi au cas où. Donc du coup la vidéo est enfin terminée, je pense que tu connais la chanson. Si la vidéo t'a plu, on met un petit pouce en l'air. Si on n'est pas encore abonné, on pense à aller s'abonner et activer la cloche. Et on me met un petit commentaire du coup, soit pour me donner votre avis du coup pour l'ordre de préférence, soit on me donne juste un petit commentaire pour me dire l'avis sur la vidéo, etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te fais de gros bisous. Bye!